Bonsoir famille, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Colette, comment tu vas? Bonsoir famille. Oui, ça fait un moment, on ne s'est pas parlé. Ma dernière vidéo date du 7 juin. On va se parler. Je ne suis pas, je n'ai aucun droit sur toutes ces chansons qui vont passer durant mon direct. Je n'ai vraiment aucun droit. Je ne suis pas l'auteur de ces chansons-là. Parce que je veux aller assez rapidement, comme il est 20 heures passées. Merci, merci pour les cœurs. Bonjour. Bonjour à vous qui êtes connectés. Invitez vos amis, on va se parler. On va décrypter l'actualité. Nous allons essayer de donner notre point de vue par rapport à ce qui se passe. C'est important. Bonjour Koulibaly. Bonjour, 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 bonjour à tous. Quelle que soit votre position, en tout cas, connectez-vous. On va parler. Invitez vos amis, on va se parler chap chap. Vous avez le son? Est-ce que vous avez mon son? Si vous avez mon son, faites-moi signe. Dites-moi que le son il est bon et puis on va se parler. Merci. Merci, 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 merci. Dites-moi que le son est bon. On va décrypter l'actualité, mais spécialement, je vais répondre à Monsieur Bernard Houdin. Monsieur Bernard Houdin qui vient de faire un petit débat sur France 24. Il a été invité de France 24 pour décrypter un peu l'actualité politique, pour décrypter un peu, pour donner son point de vue, pour essayer de toucher certains points par rapport, à l'entrée en Côte d'Ivoire de l'ancien chef de l'État, Monsieur Laurent Gbagbo. Donc, invitez vos amis, connectez-vous. Et puis, on va se parler chap-chap, comme disent les Ivoiriens. Je vous salue tous depuis votre position. Je ne vois pas trop clair malgré que j'ai mis mes lunettes. Donc, je ne peux pas vous nommer forcément, mais sachez que je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour vous qui prenez de mes nouvelles. Merci. Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que le son, il est bon? Si le son, il est bon, invitez vos amis. Oui, le son est bon. OK. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Invitez vos amis, on va se parler. On va se parler parce que quand le fer est chaud, il faut battre le fer quand il est chaud. Donc c'est à chaud que M. Bernard Houdin vient d'apporter, il vient de donner son point de vue par rapport au décryptage politique, de l'actualité politique sur France 24, que j'ai suivi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Parce que je sais que ces personnes-là, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, pendant une semaine, ils vont rentrer dans la démagogie, ils vont rentrer dans la désinformation, ils vont rentrer dans la manipulation, ils vont rentrer dans le mensonge. Donc, moi personnellement, comme j'ai décidé d'être franche avec vous, de vous dire les choses comme elles sont, même si elles sont douloureuses. Donc, je suis là pour répondre un peu, à M. Bernard Houdin et puis nous allons rentrer dans l'actualité. Dans l'actualité de la vie politique. Oui, je vais bien, merci. Merci, merci. Invitez tous mes petits frères là. Je n'ai pas eu le temps d'inviter les gens parce que, bon, voilà, il était un peu tard. J'ai couru chap-chap. Quand j'ai fini de regarder M. Bernard Houdin, il fallait que je rentre rapidement, assez rapidement chez moi parce que je n'étais pas chez moi entre-temps quand j'ai suivi ça sur France 24. Donc, invitez vos amis, montons, montons, montons. À 50 personnes, je commence véritablement à parler. Parce qu'à 50 personnes, je suppose que j'aurai 50 partages. Donc, autant de personnes, autant de partages. Chaque personne doit partager autant de fois pour que l'information arrive très loin, pour que nous puissions continuer à sensibiliser, à alerter, à prévenir hein, les uns et les autres. Donc, faites monter assez rapidement le mercure et puis on va se parler. Je vous salue tous. Je vous salue tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée.
une bonne semaine, semaine qui a commencé vraiment avec de bonnes choses. En tout cas, moi, je vous le souhaite parce que moi, j'ai passé une agréable semaine. Hier, c'était les épreuves des examens de bac en France. Donc, j'ai soutenu ma fille aînée qui passe le bac cette année. Donc, j'espère que le Seigneur va ouvrir son entendement et qu'elle me ramène le bac. Voilà. Voilà. Alors, nous allons essayer de décrypter l'actualité ivoirienne. Mais avant, mes chers frères, mes chers amis, chers Ivoiriens, je voudrais vous dire ce soir, vous qui êtes épris de paix, véritable, vous qui parlez réconciliation, vous qui parlez justice, je voudrais m'adresser à vous. Je voudrais que vous compreniez ce soir mon propos. Je voudrais que vous essayiez, vous m'aidez à partager ma vidéo là, afin que plusieurs personnes soient touchées. Parce que le but, c'est ça. Le but de mes vidéos, c'est que plusieurs personnes soient touchées par la réalité et la vérité. D'accord? Donc, on va revenir un peu en arrière. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, notre président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, nous avait dit que l'ancien chef de l'État, étant acquitté, pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a dit qu'il mettait à sa disposition un vol spécial, un vol de l'État de Côte d'Ivoire, pour que l'ancien chef de l'État ivoirien puisse rentrer avec sa famille. Mais quelle a été notre surprise? Notre surprise a été que l'ancien chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, et sa famille, ils ont décliné l'offre. Ils ont décliné l'offre, donc l'ancien chef de l'État s'est retrouvé dans un vol des citoyens, dans un vol de monsieur tout le monde. Sauf qu'il était en classe affaires, il était en première classe. Donc ça, c'est quelque chose déjà que moi, en Solange, en tant que citoyenne, en tant qu'Ivoirienne, en tant que jeunesse et prix de paix et de justice, c'est quelque chose que j'ai noté. C'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est quelque chose qui m'a fait dire, attention, est-ce que ces personnes-là sont vraiment dans une démarche de réconciliation? Parce que entre ce que nous disons et les faits, et ce que nous faisons, il doit y avoir symbiose. Quand il n'y a pas de symbiose en ce moment-là, en tant que jeunesse, nous devons nous poser des questions. Donc ça, ça a été un premier fait. Le fait que l'ancien président Laurent Gbagbo a refusé de prendre l'avion que le président Alassane Ouattara, le président de tous les Ivoiriens, lui offrait en tant qu'ancien chef de l'État, m'avait déjà interpellé. Ça, c'était un premier fait. Le deuxième fait, ce à quoi nous avons assisté, nous avons vu que tous les opposants là, ils ont mené une communication, mais une communication d'insurrection en outrance. Mais comme la Côte d'Ivoire est gérée, la Côte d'Ivoire est gouvernée par un président qui s'appelle Monsieur Alassane Ouattara, ils ont dû sursoir à leur histoire d'insurrection. Mais comment? C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire les a emmenés, les a obligés à sursoir à cela, en barricadant l'arrivée de l'ancien président Laurent Gbagbo, en sécurisant, moi j'allais dire, l'arrivée de l'ancien chef de l'État, M. Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara a laissé des instructions fermes, a donné des instructions fermes, et l'État de Côte d'Ivoire s'est exécuté à cela. Donc nous avons assisté à un ancien chef d'État qui est rentré en Côte d'Ivoire, mais vraiment dans un état d'apaisement, dans un état de joie. Et pour cela, ce soir, moi, Solange, moi, jeunesse, je veux dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire. Même si les opposants nous disent que le président de la Côte d'Ivoire a fui la Côte d'Ivoire parce que l'ancien président Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le président de la Côte d'Ivoire a quitté la Côte d'Ivoire. Il a fui avec son épouse. Son épouse étant partie la veille, lui, le président, est parti aujourd'hui. Mais peuple ivoirien, laissez-moi vous dire, ne soyez pas dupes. L'ancien président, M. Laurent Gbagbo, étant resté à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pendant près de 10 ans, la Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée. Le monde ne s'est pas arrêté. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a fonctionné. Le monde entier a fonctionné. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente, qu'il y a eu des naissances et il y a eu des morts. Donc pourquoi l'opposition qui n'est pas d'accord, l'opposition qui a fait refuser, qui a décliné l'offre du président Alassane Ouattara, voudrait que le président Alassane Ouattara se retrouve à l'aéroport. Moi, j'appelle ça du deux poids, deux mesures. Donc, moi, j'appelle ça la manipulation. J'appelle ça la désinformation, l'intoxication de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Moi, en tant que chef d'État,
Je vous fais la proposition. Je mets tout en œuvre. Je mets tout en place pour que l'ancien président rentre dans de bonnes conditions, pour qu'il soit à l'aise. Vous déclinez mon offre. Vous prenez un avion, monsieur tout le monde. Et vous voudrez que moi j'aille m'arrêter à l'aéroport pour vous attendre parce que si je ne suis pas à l'aéroport, c'est que je refuse la réconciliation. Je dis c'est faux, c'est de la pure manipulation des opposants. C'est la manipulation. Donc, jeunesse ivoirienne, ne tombez pas dans ce jeu-là. Nous avons laissé les opposants déguster cette venue-là. On leur a donné tout le temps, on leur a donné toute la place. Et à ma grande surprise, je vois sur la chaîne de télévision France 24, M. Bernard Houdin, à qui on posait des questions, et M. Bernard Houdin qui disait que c'était dommage que le président Alassane Ouattara venait de démontrer qu'il n'était pas prêt pour la réconciliation du fait qu'il n'est pas allé attendre l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais ce monsieur Bernard Houdin, quand il parle, je ne sais pas si dans sa tête il réalise que le président Alassane Ouattara est un président actuel, n'est pas un ancien président. Parce que même l'ancien président Henri Konan Bédier, qui a fait alliance avec l'ancien président Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédier n'était pas à l'aéroport. Henri Konan Bédier s'est fait représenter par Dikawé. Donc, de quoi nous parle le texte? Pourquoi ces gens-là veulent à tout, toujours, à tout moment, à tout prix trouver la bête au président Alassane Ouattara? Pourquoi? Vous voulez la paix. Vous parlez de paix. Famille, je vais arrêter un peu la musique là parce que ça me fait crier très fort. Excusez-moi. Vous voulez la paix. Vous parlez de paix. Vous parlez de vivre ensemble. Vous parlez de cohésion sociale. Et en même temps, vous mettez de l'huile sur le feu. Donc, je reprends mon propos pour dire que pourquoi Bernard Houdin n'a pas remarqué l'absence d'Henri Konan Bédier et puis il remarque l'absence du président de la République, le monsieur Alassane Ouattara. Tout ça là pour faire, pour dire quoi aux gens? Pour dire que le président Alassane Ouattara n'est pas prêt au pardon, il n'est pas prêt pour la réconciliation. Mais si le président Alassane Ouattara n'était pas prêt pour la réconciliation, c'est ce que je dis toujours. Parce que vous trouvez que... la CPI l'a obligé à accepter Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. D'accord, la CPI, son travail, c'était de faire son travail. Quand la CPI a fini son travail, le reste, il était des membres de l'ancien président Laurent Gbagbo et le gouvernement de Côte d'Ivoire de s'accorder si c'était un certain nombre de choses pour que l'ancien président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Mais ça, si vous n'avez pas la force, si vous n'avez pas la capacité de dire merci, mais vous pouvez vous taire et puis fêter. Fêtez l'arrivée de votre leader. Vous pouvez vous taire et puis fêter l'arrivée de votre leader. Et nous autres là, nous allons dire merci au président de la République. Merci à son excellence, M. Alassane Ouattara. Merci au gouvernement de Côte d'Ivoire qui a tout fait, qui a tout mis en œuvre pour que tout ce monde-là ne se retrouve pas à l'aéroport, ne se retrouve pas au sein de l'aéroport pour mettre le désordre. Famille, je vais vous dire, en France où j'étais là, quand il y a une manifestation, il y a toujours, la manifestation est toujours coordonnée par les corps habillés. À un moment donné, quand les corps habillés ne se font pas entendre, quand les corps habillés vous disent passez ici, mais vous n'avez pas le droit de franchir ça, que vous le faites, que vous vous entêtez, que certaines personnes parmi vous s'entêtent, on vous gaze. Donc si les corps habillés de Côte d'Ivoire vous ont gazé, c'est pour vous disperser. C'est pour que vous respectez la distance qu'on vous a autorisée. On ne vous a pas autorisé tout l'aéroport. On vous a autorisé une partie de l'aéroport. Parce qu'en dehors de l'ancien chef de l'État ivoirien, là, il y a eu des personnes lambda qui ont voyagé. Ces personnes-là, il faut qu'ils sortent de l'aéroport en sécurité. Donc pourquoi à chaque fois, vous voulez toujours qu'il y ait des problèmes? Pourquoi vous ne voulez pas la tranquillité des Ivoiriens? Pourquoi vous ne voulez pas la paix? Pourquoi vous ne voulez pas que nous soyons en paix? On peut fêter quelque chose dans la paix, dans la tranquillité, sans qu'il y ait des blessés. Mais là, on a vu des blessés. Et ces blessés-là, vous allez mettre ça sur le compte du gouvernement. Alors que vous-même, vous savez celui avec qui vous voulez partir, vous amouracher en seul mot bruit là. Il a emmené ses gars pour vous blesser comme ça, pour mettre le sang, pour faire couler le sang, et puis ils vont accuser le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les membres du gouvernement de Côte d'Ivoire sont restés à l'écart pour vous regarder. Pour vous laisser profiter, pour vous laisser vous réjouir de votre événement. Mais là encore, vous trouvez qu'il y a problème. Déjà,
j'ai écouté j'ai regardé un peu les informations, j'ai écouté des gens qui disaient que le pavillon présidentiel qu'on avait réservé à l'ancien chef de l'État, la climatisation n'était pas bonne. Et que la climatisation était défaillante, donc ils étaient en train de refaire la climatisation. Mais comment les gens se sont acharnés pour dire que non, il ne faut pas que l'ancien président Laurent Gbagbo rentre là-bas. Parce que la climatisation que les gens changent là, ils vont mettre du poison dedans. Bon, vous avez du poison dans vos bouches. Vous parlez de poison. Vous indexez les gens et en même temps, vous reprochez à ces personnes-là pourquoi ils n'étaient pas à l'aéroport. Moi, je veux vous comprendre. Et c'est ça là que moi je dénonce toujours dans votre camp, le désordre organisé. Mais vraiment le désordre. Vous ne pouvez pas refuser les offres et puis en même temps vous plaindre de ce que les personnes, on ne vous a pas honoré. Mais les milliers de personnes qui sont parties vous honorer là, ça ne suffit pas. Vous voulez encore des membres du gouvernement? Le gouvernement n'est pas pressé. Le gouvernement sait que vous allez vous reposer, vous allez recevoir les siens, les vôtres et puis après... Vous allez venir vers le gouvernement parce que la Côte d'Ivoire est gérée, la Côte d'Ivoire est gouvernée. Donc vous allez venir vous déclarer pour dire que vous êtes rentré dans le pays et on va s'occuper de vous. On va vous redonner vos droits, ceux dont vous avez droit là. On va vous redonner ça. Mais ça là, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui est habilité à le faire. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est pas Marie-Odette Lourignon. Ce n'est pas Asso Adou. Ce n'est pas Mme Nadi Bamba elle-même. Ce n'est pas Mme Simone Gbagbo. Ce n'est personne de tout cela. C'est le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui va vous rétablir dans vos droits. Parce que le président Alassane Ouattara a parlé de réconciliation. Donc le président Alassane Ouattara va aller jusqu'au bout en vous remettant tous vos droits d'ancien chef de l'État. Donc éduquez vos militants là. Ça ne sert à rien que les gens racontent des mensonges sur Facebook pour maintenir encore certaines personnes. Aujourd'hui là, moi je dis que l'ancien président Laurent Gbagbo est rentré. Dans une semaine, pendant une semaine, il faut que nous assistons aux Ivoiriens qui sont sortis de la Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils sont en exil parce que le président Laurent Gbagbo ne rentre pas, il ne rentre pas là. Ils n'ont qu'à tous rentrer. Le commerce là, le trafic là est terminé. Venez en Côte d'Ivoire, venez nous trouver ici, on va faire la politique. Parce que vos bêtises là nous ont enseigné. Vos bêtises là nous ont galvanisé. Donc aujourd'hui là, vous allez trouver plein de jeunes qui sont prêts à faire de la politique avec vous. Donc sortez des mensonges, sortez des paroles d'intoxication et puis allons au vrai débat. Disons tous merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de bavure. La police, moi je remercie les corps habillés. Je vais les féliciter de leur vigilance, de leur calme. C'est de ça qu'il est question. Donc dites aux opposants que si le président Alassane Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire là, si vraiment l'information était vraie qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire là, c'est pas parce que l'ancien président, on dit un ancien en pouvoir de quoi, et puis nouveau président et président actuel va fuir la Côte d'Ivoire parce que ancien rentre. Vous voyez la logique quelque part? Est-ce que vous voyez la logique quelque part, ces chers Ivoiriens? Moi je suis là pour vous parler. Il y a une information qui circule sur Facebook. Un certain Steve Biko de l'UNG qui fait circuler une information qui dit que le président Alassane Ouattara quitte la Côte d'Ivoire parce que quand l'ancien président Laurent Gbagbo arrive là, ils vont le mettre au trône. Et vous voyez à quel niveau ces gens de mensonges détruisent la Côte d'Ivoire, détruisent la jeunesse ivoirienne, la jeunesse faible d'esprit. Parce que nous ne sommes pas tous forts. Moi, rien ne me fait trembler. Mais est-ce que ça sera pareil pour mon petit frère, ou ma petite soeur, mais pour quelqu'un d'autre? Il y a des gens qui sont faciles à manipuler. Il y a des gens qui vacillent dans leur vie. Ces personnes-là ne peuvent pas se situer quand il y a des situations. Donc faisons tous attention. Parce que nous tous là, nous aspirons, même si certains sont en Europe là, mais ils ont quand même de la famille. Ils ont quand même des connaissances en Côte d'Ivoire. Ils ne voudront pas que ces personnes-là périssent. Donc nous tous, on devrait œuvrer pour la paix. Il n'y a pas que les politiciens qui doivent œuvrer pour la paix. Surtout nous, la jeunesse. Nous que les politiciens appellent à chaque fois dans les rues ou bien appellent à venir assister à leurs paroles. C'est nous qui devons cultiver la paix. C'est nous qui devons parler amour. C'est nous qui devons parler vivre ensemble. Je soutiens le président Alassane Ouattara. Ne veux pas dire que je suis votre ennemi juré. Voilà. Et ce que nous voyons sur la toile là, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié parce que on voit, c'est triste.
On voit que vous êtes dans une position de maintenir certaines personnes. Vous voulez faire croire à certaines personnes que vous, là, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sans attendre les 5 ans. Vous êtes en train de dire à vos militants, à vos sympathisants et aux gens faibles d'esprit là que vous là, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire là, vous allez remuer la Côte d'Ivoire. Mais pour remuer la Côte d'Ivoire là, il faut voir ceux qui sont à la tête. Est-ce que ceux qui sont à la tête là, ressemblent à des gens qu'on peut secouer et puis vont trembler? Ils vous ont montré un peu l'expérience. On vous a dit que ça sera quadrillé et ça a été quadrillé. Il n'y a pas eu de bavure à l'aéroport. Ils vous ont laissé partir jusqu'au QG. Que vos QG là-bas, où vous partez là-bas maintenant, ça c'est entre vous les opposants. L'État de Côte d'Ivoire finit sa part. L'État de Côte d'Ivoire était habilité à surveiller tout ce qui se passait à l'aéroport. Et l'État de Côte d'Ivoire a reçu cela. Moi, je suis là ce soir pour dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Merci à nos corps habillés. Merci à tous les corps habillés qui ont usé de l'œuf sans froid, qui ont utilisé seulement les gaz lacrymogènes. Gaz lacrymogène, là, on utilise ça partout. Quand tu es désobéissant, là, au lieu qu'ils prennent son arme, ou bien au lieu qu'ils prennent matraque, des fois même matraque sort dedans, ils te gazent. Gazer les gens, gazer une foule, là, c'est vous emmener à vous disperser. Gazer une foule, c'est vous emmener à être discipliné par rapport à ce qu'on vous a autorisé. C'est pas difficile à comprendre. Donc, dites à Bernard Houdin que son client vient d'arriver à Abidjan. Les plateaux télé qui va commencer en Europe, là, il n'a qu'à aller doucement. Nous, on n'a pas besoin d'huile sur le feu. Ce que nous souhaitons, c'est que le président, l'ancien président Laurent Gbagbo est rentré là. Qu'il se repose, qu'il fête avec ses sympathisants, et qu'il fête avec tout le monde qui veut, qu'il reçoit celui qui veut, et qu'il parle véritablement de la réconciliation, qu'il aille vers les autorités et que les gens se parlent. Parce que dans le fond, ils n'ont pas de problème. Dans le fond, c'est des amis. Dans le fond, ils s'aiment sincèrement. Donc, dites aux Ivoiriens de se calmer. Le président Alassane Ouattara, il n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara vous donne le temps de fêter. Et puis, une raison de plus, s'il n'est pas là, pour d'aller installer celui que vous voulez installer, que d'après vous là, puisque la Côte d'Ivoire n'est plus gérée. Pourquoi directement vous ne partez pas installer celui que vous voulez installer à la tête de la Côte d'Ivoire? Mais vous ne pouvez pas. Même si le président Alassane Ouattara n'est pas là, la Côte d'Ivoire est gérée. Il n'y a pas que le président Alassane Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire. C'est un gouvernement. C'est un travail d'équipe. C'est une équipe forte. Ce n'est pas une équipe fla-fla, 2 pour 5 francs, non, non, non. Une équipe qui vont venir remuer avec un petit discours. Non, c'est une équipe forte. Et de par mon direct, je voudrais dire merci au ministre Joël Nguessan qui a recadré ce Bernard Houdin, là, qui est venu mettre de l'huile sur le feu dans Afrique, France 24. Jeunesse ivoirienne. Peuple de Côte d'Ivoire. Vous qui avez eu la possibilité, vous qui avez été sage de rester chez vous, continuez de rester chez vous et puis regardez ce qui se passe. Continuez de rester chez vous et puis regardez ce qui se passe. Parce que l'État de Côte d'Ivoire peut pas aller vous surveiller chacun dans vos maisons. L'État de Côte d'Ivoire surveille la Côte d'Ivoire. Quand l'État de Côte d'Ivoire donne une information, fait une déclaration, si vous ne voulez pas la respecter, ça s'appelle vous désobéissez. Hein? Vous désobéissez à l'État de Côte d'Ivoire, vous désobéissez au gouvernement, mais les retombées là, vous devez assumer, vous devez prendre les retombées là comme des vraies personnes et puis avancer. Mais vous ne venez pas pleurer sur la toile, vous ne venez pas nous emmerder parce que nous, on a fait des vidéos pour vous sensibiliser. On a fait des vidéos pour vous sensibiliser. Donc ne commencez pas à nous mettre sur Facebook. Les gens qui sont blessés, il y a du sang qui coule. C'est Anselmo Bru que vous êtes allé mettre à vous là. C'est lui qui a emmené ces gens pour vous blesser. Donc, réglez ça entre vous. L'État de Côte d'Ivoire n'a rien à voir. L'État de Côte d'Ivoire a joué son rôle, mais proprement. On vous a accordé des choses et ces choses ont été respectées. Pour tout le reste, pour tous les autres, là, ils ont été bloqués. Et c'est ce qui est normal. Parce que qui allait prendre la responsabilité du désordre? C'était qui? C'était qui? C'était encore l'État de Côte d'Ivoire. C'était encore accuser le président Alassane Ouattara. Déjà, vous avez commencé à l'accuser.
C'est pour ça que vous avez laissé l'ancien chef de l'État monter dans un avion, dans un vol de monsieur tout le monde. Dieu merci, il est arrivé. Le président n'a pas sa main dedans. Le président n'a pas payé, n'a pas sudoyé un pilote. L'avion est bien arrivé. Le président Alassane Ouattara n'a pas mis poison dans l'avion pour empoisonner tout le monde. Dieu merci. Le salon qu'on lui a octroyé là, il n'est pas allé dans le salon privé. Dieu merci aussi. Le reste là, c'est vous qui voyez. Si vous avez une démarche de réconciliation, vous avez une démarche de paix, si vous changez vos langages, tout va se faire comme vous voulez. Si vous voulez le désordre, vous aurez le désordre. Ça, il faut qu'on se le dise clairement. Si vous voulez qu'on y aille doucement, on va aller doucement. Et puis tous, on va aller pour apaiser les gens qui ont vraiment... On va apaiser tous les Ivoiriens. Parce que c'est tous les Ivoiriens dans leur ensemble qui ont été... Qui ont souffert de cette situation de 2010 là. Il n'y a pas qu'un seul camp. Il n'y a pas qu'un seul camp. C'est pour ça que quand Diaby sortait, faisait ses sorties là, nous sommes énervés pour dire Diaby ne respecte pas l'état de Côte d'Ivoire. Et qu'il fallait qu'il soit sanctionné. Et comme nous avons confiance à l'état de Côte d'Ivoire, nous savons que Diaby va être sanctionné. Nous on ne s'inquiète pas. C'est à vous que nous parlons. Vous les opposants, allez-y balle à terre. Allez-y balle à terre. Parce que le plus dur là, c'était pas que l'ancien président Laurent Gbagbo rentre. C'est maintenant que ça va commencer, qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Et parce qu'il aura le temps, s'il peut, de réconcilier sa famille politique. Et puis maintenant de venir dans l'échiquier politique, de venir au vrai débat. Parce que s'il peut le faire, ça veut dire que l'ancien président Laurent Gbagbo s'inscrit dans la réconciliation. Parce que quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, c'est toi-même d'abord, tu dois pouvoir balayer là-bas. C'est ce que nous disons. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, moi je suis là. Moi je vais faire attention à tous ceux qui font les débats télé là. Et puis on va venir les décrypter ici, on va venir les recadrer ici. Il n'est pas question de vous laisser manipuler. Il n'est pas question de vous laisser manipuler. Et puis continuez de regarder dans vos quartiers. Tous ceux qui sont venus d'ailleurs là, pendant une semaine, s'ils ont fini de fêter Laurent Gbagbo là, ils vont aller où ils veulent aller, mais ils n'ont qu'à retourner chez eux. Il ne faut pas que les gens restent dans Abidjan là pour préparer encore des coups fourrés. Parce que ces coups fourrés là ne vont pas réussir, mais eux, ils vont se retrouver en prison. Et vous allez encore venir pleurer sur Facebook. Donc si vous êtes d'accord avec moi, mettez assez de cœur pour dire au président Alassane Ouattara, merci, merci monsieur le président. Merci d'avoir respecté ce que vous avez dit. L'ancien président Laurent Gbagbo est rentré, il n'y a pas eu de bavure, il est maintenant dans son QG. Nous pouvons dire, ouf, merci Seigneur. Et je suis dans cette dynamique-là. Donc si vous êtes présent sur ma vidéo, partagez la vidéo pour qu'elle arrive là où elle doit arriver. Et puis soutenons-nous. RHDP, soutenons-nous. Ne rentrons pas dans la communication des Ansel Bobru là. Ils ont tout perdu. Ce qui leur reste à faire, c'est de voir comment ils vont lutter, comment ils vont œuvrer, comment ils vont négocier pour que leur mentor, lui aussi, rentre en Côte d'Ivoire. C'est ça que le vrai point. Et comme nous, peuple ivoirien, nous sommes là pour vous alerter, pour vous sensibiliser, pour venir vous prévenir des choses, nous allons vous donner les informations de ce que Anselmo Bru fait des démarches pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, il a les moyens. S'il est garçon pile, il n'a qu'à prendre son jet privé puis il descend à Abidjan. Et puis nous tous, on va assister à ça. On va voir si lui peut voler le territoire ivoirien là sans autorisation de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ça aussi, les gens ne vous disent pas ça. Les gens sont en train de vous mentir. Mais moi, je vous dis, si les garçons, ouais, parce que ces militants là, ces cyberactivistes a dit que c'est lui qui sera le président, sans passer par les urnes. Mais il va venir brigander la Côte d'Ivoire encore et puis il va être président. Mais si les garçons, il n'a qu'à prendre son jet privé parce qu'il a non les moyens de prendre un jet privé et puis il va survoler simplement le périmètre de la Côte d'Ivoire. Il va savoir que la Côte d'Ivoire est gouvernée. Il va savoir que le président Alassane Ouattara qu'il a laissé là est devenu encore trois fois plus puissant. C'est ça que le vrai point. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Mais moi, je vais vous dire ça. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne va pas quelque part. Nous tous, on parle de la paix. Mais pour parler de paix, là, il faut qu'on se dise ce qui est. Faut pas, moi, je ne vais pas vous mentir. Parce que le mensonge, là aussi, des fois, ça rattrape. Les vidéos, là, ça reste. Vous allez me ressortir toutes mes vidéos plus tard.
Parce que je dis, je suis dans la politique. Je suis déjà engagé là. Je ne recule pas. Donc, je suis obligé de vous dire ce qui est. Allez dire un seul mot bruit. Il a échoué. Il voulait envoyer encore l'insurrection. Allez dire un seul mot bruit. Il a échoué. Il voulait faire un soulèvement populaire. C'est échoué. Donc, il n'a qu'à s'inscrire dans la démarche des négociations auprès du gouvernement, auprès du président Alassane Ouattara. Et puis, il va rentrer aussi en Côte d'Ivoire. Comme ça, nous serons tous en Côte d'Ivoire. Nous allons parler. Parce que nous, là, nous allons nous faire inviter à cette réconciliation-là. Nous avons notre mot à dire. Et nous allons parler. Mais nous allons parler tellement fort que les gens vont nous entendre. C'est de ça qu'il est question. Chers Ivoiriens, je vous dis merci. Je vous remercie pour vous qui avez été là. Mais soyons tous vigilants. Pendant une semaine, soyons vigilants. Restons en alerte. Ouais, c'est ça qui est le vrai point. Contrôlez tous les faits et gestes des gens qui sont dans vos quartiers. Parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que chacun œuvre véritablement pour la paix et que l'amour de Dieu supplante le cœur des Ivoiriens, les véritables enfants des Ivoiriens qui veulent vraiment la paix, qui veulent voir leurs parents vivre longtemps. Que Dieu sécurise la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne encore des jours meilleurs au président Alassane Ouattara et son gouvernement. Et que vive la Côte d'Ivoire. Merci et au revoir.